Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc aujourd'hui les enfants, nous allons évoquer un point très important. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des parents d'un élève ou une élève de cette classe qui m'a fait remonter une information qui m'a déçu, très déçu. On m'a dit que cet enfant avait un mauvais comportement à la maison et notamment une chose qu'il fait régulièrement, une mauvaise habitude qu'il a prise. Et c'est pour cela que nous allons aujourd'hui parler de cette chose-là. Parce qu'en réalité, elle peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et beaucoup d'entre nous, peut-être, qu'on le fait sans s'en rendre compte. Alors, à votre avis, quel mauvais comportement on peut avoir à la maison, Mohamed ? On peut ne pas écouter ses parents. Alors, ne pas écouter ses parents, effectivement. Mais ce n'est pas ce sujet sur lequel on va parler. Ibrahim ? Crier également, c'est un mauvais comportement. On n'a pas à crier à la maison, mais ce n'est pas de ça que l'on va parler. Nawal ? Alors, répondre à ses parents, ça rentre dans le mauvais comportement, mais ce n'est pas ce sujet que l'on va évoquer. Maïdine ? Mentir. On peut, et c'est un grave comportement, et c'est exactement de cela que je vais parler. Maïdine, il a trouvé la bonne réponse. Mohamed, quel mauvais comportement on peut avoir aussi ? Frapper. Frapper, bien sûr, c'est très grave. Et ça me rend super. Ismaël ? Être jaloux, très bien, c'est un mauvais comportement. Mariam, ne pas faire la prière à la maison. Alors là, c'est la pire chose. Ibrahim, dire des gros mots. Dire des gros mots, très bien, c'est un mauvais comportement. C'est horrible, des gros mots. Mohamed, ne pas faire ses devoirs. Alors, ne pas faire ses devoirs, bien sûr, c'est un mauvais comportement aussi. Pas se lever le matin pour dormir et aller à l'école. Ne pas se lever le matin déjà pour la prière, parce qu'il faut se lever le matin pour prier. Et en plus, bien sûr, après la prière, il y a l'école. Mais c'est dur à se lever. C'est dur pour celui qui ne met pas la prière dans son cœur. Quelqu'un qui prend pas, qui donne pas l'importance lui de la prière, lui, il va avoir du mal à se lever. Mais quelqu'un qui donne de l'importance, il va se lever avec facilité. Je te donne un exemple. Quand tu pars en vacances, où tu dois aller dans un parc d'attractions, et on te dit demain, tu dois te réveiller à 4 heures du matin. Tu te réveilles facilement ou c'est dur? Si tu as vraiment l'intention de vouloir. Tu vas aller au parc d'attraction. T'as pas envie d'y aller. Si. Donc tu es content de te lever ou pas? Dès qu'on t'appelle, tu es déjà debout, tu es déjà habillé, t'as déjà préparé ton sac. Khadija, c'est vrai ou pas? Oui. Des fois, tu vas même te réveiller. Et quelle heure? Minuit. Ah non, c'est pas maintenant. Ah, et quelle heure? Une heure. Ah non, c'est pas maintenant. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as envie d'y aller. Et l'être humain, il est comme ça. Et c'est ça le gros problème qu'on a, nous, avec la prière. Comme on met pas l'importance dans notre cœur, on ne donne pas d'importance à la prière, et bien on ne se réveille pas ou on ne prie pas. Et c'est ça le problème. Et celui qui ne donne pas d'importance à la prière, est-ce qu'il pourra accéder au paradis? Ce sera très compliqué. D'accord? Très difficile d'accéder au paradis pour celui qui ne fait pas ses prières. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Man tarakaha faqad kafar. » Celui qui a délaissé la prière, celui qui a arrêté de faire la prière, celui qui ne fait pas la prière, il a mécru en Allah. C'est comme si qu'il ne croyait pas à Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'Allah il a demandé lorsqu'Allah il a créé Adam? Qu'est-ce qu'Allah il a ordonné à tous les anges?
C'est quoi? Lorsqu'Allah il a créé le premier être humain, il s'appelle comment le premier être humain? Comment il s'appelle le premier des hommes? Premier des êtres humains? Imad? Adam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal il a créé Adam, qu'est-ce qu'Allah il a demandé à Adam? Qu'est-ce qu'Allah il a demandé aux anges de faire devant Adam, Khadija? De se prosterner. Pourquoi? Est-ce qu'on peut se prosterner devant un prophète? Bah, pourquoi les anges ils se sont prosternés? Les anges ils se sont prosternés, est-ce que c'est parce qu'ils adoraient Adam? Non. Non, mais ils ont adoré Allah. C'est Allah qui leur a demandé. Allah il demande, je fais. Mais ils se sont prosternés aussi pour saluer Adam. Est-ce que les anges ils ont refusé de se prosterner? Non. Non. Mais qui a refusé de se prosterner? Ibrahim? Iblis. Est-ce que Iblis c'était un ange? Non. Non, c'était un djinn. Il vivait auprès des anges. Allah Azza wa Jalla lui avait donné cette capacité de vivre auprès des anges. Mais Shaitan, est-ce qu'il a voulu se prosterner? Non. Quand Allah lui a demandé de se prosterner, est-ce qu'il s'est prosterné? Non. Donc si moi, quand Allah me demande de faire la prière, quand Allah me demande de me prosterner et je ne me prosterne pas, je vais ressembler à qui? Shaitan. Donc les enfants, attention. Attention. À partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, dès que j'ai 7 ans, je fais mes 5 prières par jour. Mais le sujet d'aujourd'hui, ça c'était une parenthèse très importante, le sujet d'aujourd'hui c'est quoi? C'est qu'il y a des enfants dans cette classe, oui. Dans cette classe, la liste que j'ai ici, des parents qui m'ont dit qu'il y a des enfants qui mentaient. Ils mentaient. Il faisait le mensonge. Donc aujourd'hui, on va évoquer la gravité du mensonge. Parce que le musulman, il ne ment pas. Le musulman, il ment pas. Il ne ment pas. Parce que le mensonge fait partie des plus grands péchés. Alors déjà, qui peut me dire c'est quoi le mensonge? Rappelle-moi ton prénom. Asil. C'est quoi le mensonge, Asil? Alors, pas forcément à ses parents. Le mensonge, très bien, c'est ce qui va venir contredire la vérité. Il y a une vérité. Un exemple. J'ai cassé un verre. Quelqu'un me demande, qui a cassé ce verre dans la cuisine? Là, à ce moment-là, tu as le choix. Soit de dire la vérité, c'est moi, j'ai cassé. J'ai pas fait exprès, ou même je l'ai fait exprès. Non, non mais c'est possible. Toi, tu t'es énervé, t'as pris, tu l'as jeté. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis j'ai cassé le verre sans faire exprès? Non, la vérité, c'est vrai, je me suis énervé. J'ai poussé mon frère ou ma soeur, ou j'ai poussé la table, le verre il est cassé, j'ai fait exprès. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'assume ce que j'ai fait. C'est pas dire que tes parents ne vont pas te punir. Mais au moins, tu auras dit la vérité. Et tu auras assumé ta bêtise. Mais à ce moment-là, lorsque on va te dire qui a cassé ce verre, Shaitan, il va te dire quoi? Non, dis que c'est pas toi. Il va t'insuffler dans ta tête, dis que c'est pas toi. Alors, ah non, quoi? Ah non, c'est pas moi. Ou des fois, ah non, c'est mon frère, ah ou c'est mon petit frère, ah ou c'est ma soeur, ah ou c'est ceci ou c'est cela. Et c'est à ce moment-là que vient le mensonge. Alors, des fois, le mensonge, peut-être que tu vas réussir. Ta mère, elle ne le sait pas. Elle a cru que c'était pas toi. Le problème, c'est quoi? C'est que même si ta mère, elle le sait, elle ne saura peut-être jamais que tu lui as menti, ou que ton père, il ne saura jamais que tu lui as menti. Qu'est-ce qu'il le sait? Allah, il le sait. Allah, Azza wa Jalla, il le sait. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il va te faire mourir. Et il va te ressusciter. Et il va te poser la question, il va te demander pourquoi tu as menti. Et s'il le veut, il va te pardonner. Mais s'il le veut, il va te châtier. Il va te punir en enfer. Peut-être que la personne, elle ira 1 an, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans en enfer. Ensuite, elle ira au paradis. Ça se peut. Donc ici, on doit faire très attention à cela. Donc la première des choses, retenez, c'est que le mensonge, c'est ce qui vient
contredire la vérité. Et vous savez, les enfants, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a créé le paradis et il a créé l'enfer. Le paradis, c'est ce que l'on appelle en arabe des darajat. Répétez, darajat. Darajat. C'est-à-dire quoi, darajat? Darajat, c'est des étages. D'accord? Darajat, c'est des étages. Donc, celui qui aura le plus haut, la plus grande récompense du paradis, c'est celui qui sera le plus haut. Le plus haut. Et comment il s'appelle l'endroit le plus haut du paradis? Ibrahim? Le Firdaus. Le Firdaus, répétez, El Firdaus. El Firdaus. El A'la. C'est l'endroit le plus haut du paradis. D'accord? C'est pour cela que lorsque on lève nos mains et on demande à Allah le paradis, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'aller tout en haut. Donc levez vos mains. Avec notre cœur et notre langue et nos mains, on va demander à Allah de nous mettre tout en haut du paradis avec tous les prophètes, tous les vertueux, tous les pieux. Allahumma. Allahumma. Alors c'est comme ça qu'on lève les mains. On ne met pas les mains à plat comme ça, comme les autres religions, ils font ça. D'accord? Non. Nous, on fait comme ça. Regardez, les enfants. Comme ça, c'est-à-dire qu'on met nos mains comme cela et on demande à Allah des choses. On demande à Allah parce qu'on est pauvre devant Allah. On a besoin d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'on lève nos mains et qu'on lui demande. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a honte de ne pas nous donner qu'est-ce qu'on demande, ce que l'on demande, pardon, lorsque l'on lève nos mains. On répète Allahumma. Allahumma. Et en plus, les enfants, vous entendez quoi là? La pluie. Sachez que quand il pleut, les invocations, elles sont acceptées. Donc, c'est-à-dire que c'est encore mieux. On va demander à Allah et Allah, il va nous répondre. Allahumma. Allahumma. Inna. Inna. Nas'aluk. Nas'aluk. Al-Firdaus. Al-Firdaus. Al-A'la. Al-A'la. Min al-Jannah. Min al-Jannah. Birahmatik. Birahmatik. Ya. Ya. Arhama. Arhama. Ar-Rahimin. Ar-Rahimin. Donc, retenez les enfants, toute votre vie, quand vous avez tu as besoin de quelque chose. Tu as peur de quelque chose, tu as envie de quelque chose, Allah c'est lui le roi des rois. Tout lui appartient. Donc tu lèves tes mains, tu lui demandes, il te donne. C'est beau ou pas? Pas toujours. Donc on disait, Allah il répond à toutes les invocations, tout. Maintenant soit il te donne tout de suite ce que tu veux, soit il te le donnera plus tard, ou soit il ne te le donne pas parce que c'est quelque chose de pas bien pour toi, mais va te donner meilleur. Dans tous les cas, à chaque fois que tu demandes, tu auras une réponse. D'accord les enfants? Donc on a dit le paradis, l'endroit le plus haut. Mais l'enfer, c'est comment? C'est des étages ou pas? Non. Est-ce que c'est des darajat? Non. C'est des darakat. Répétez, darakat. Darakat, c'est quoi? C'est comme des sous-sols. Ouais. C'est le contraire. L'enfer, c'est comme un trou. Et est-ce que vous savez, celui qui sera le plus châtié, le plus puni, il sera où? Il sera tout en bas. Fid darkil asfal minan nar. Dans le sous-sol, dans l'endroit le plus bas de l'enfer. Est-ce que vous savez c'est qui? Non. Mohiddin. C'est le pharaon. Encore plus que le pharaon. Quelqu'un qui sera châtié encore plus que lui. Khadija. Encore plus. Mais eh oui, parce que le pharaon, Shaitan, eux, ils ont dit clairement qu'il refusait d'obéir à Allah et qu'il ne croyait pas à Allah. Ce sera qui? Les munafiqoun. Répétez munafiqoun. C'est les hypocrites. Et il y a une sourate qui s'appelle la sourate les hypocrites. Les munafiqoun, la sourate numéro 63. C'est quoi un hypocrite? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Allah dans son cœur. Mais avec sa bouche, il dit qu'il croit en Allah. Il prie. Il jeûne. Peut-être il y a un prénom musulman. Peut-être son papa et sa maman sont musulmans. Lui, devant les gens, il dit « Moi, je crois en Allah. Moi, je fais la prière. Moi, je viens à la mosquée. Moi, je fais le jeûne du Ramadan. » Mais dans son cœur, il ne croit pas. Dans son cœur, il ne croit pas. Dans son cœur, il dit « Non, moi, je ne crois pas en Allah. » Dans son cœur, il dit « Moi, je ne vais pas obéir à Allah. » Mais devant les gens, il fait semblant d'obéir. Et lui, c'est encore plus grave parce qu'il trompe. Il trompe les musulmans. Il trahit les musulmans.
Et est-ce que vous savez comment on peut reconnaître un hypocrite? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les caractéristiques de l'hypocrite sont de trois. Ayatul munafiq salas. Les caractéristiques de l'hypocrite sont de trois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour reconnaître un hypocrite, je peux regarder s'il a trois choses. Et même s'il a une seule des trois choses, ça veut dire qu'il ressemble à qui? À l'hypocrite, et c'est très dangereux. La première, c'est quoi? Lorsqu'il parle, il ment. Mais comment ça va? Quelqu'un qui ment, ben, tu connais quelqu'un qui ment. Ouais. Lui ment. À chaque fois que tu vois que quelqu'un il ment, ou même toi, quand tu sais que tu mens, quand tu mens, tu dis, ah, là je ressemble aux hypocrites. Et là je risque d'aller tout en bas de l'enfer avec eux, si je continue sur ce chemin-là. Retenez, lorsqu'il parle, il ment. Imagine. Également, parmi les signes de l'hypocrite, c'est lorsqu'il promet quelque chose, il ne tient pas à sa promesse. Il ne tient pas à sa promesse. Vous savez, c'est quoi une promesse? Oui. Lorsqu'il promet quelque chose, il ne tient pas à sa promesse. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. Un exemple, Ilham, elle confie, je ne sais pas moi, sa trousse à quelqu'un. Elle te dit, je te la prête jusque jeudi prochain. Tu dois en prendre soin, c'est vrai ou pas? Et la personne, elle rend la trousse à Ilham, toute arrachée, toute cassée. Ou elle te dit, oh, je ne sais même pas où est-ce qu'elle est ta trousse, etc. Et bien ça, c'est très grave. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par quoi? Par le mensonge. Donc à chaque fois que je mens, je ressemble à qui? Aux hypocrites. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith authentique, il dit que celui qui dit la vérité, elle va le mener, elle va le guider vers quoi? Vers le bien. Et celui qui fait du bien, ça va le mener vers quoi? Vers le paradis. Et il dit, l'homme ne cesse de dire la vérité. À chaque fois, et des fois, la vérité, c'est pas facile. C'est vrai. C'est pas facile de dire la vérité. Comme je t'ai dit un exemple, des fois, tu as fait une bêtise, ah, on t'a attrapé. À ce moment-là, tu as le choix. Soit je dis la vérité, et Allah, il va être content de moi. Soit je dis la vérité, et je vais être guidé vers le bien, et le bien va me guider vers le paradis. Soit je dis la vérité, et Allah, tabaraka wa ta'ala, il va me considérer comme étant un siddiq, un véridique, quelqu'un qui dit la vérité. Et dans ce cas-là, le jour où je vais mourir, j'aurai les plus hauts degrés du paradis. Ou soit je mens, et là, le mensonge, il va te guider vers la méchanceté, vers la dépravation, vers le fait d'avoir des mauvais comportements. Parce que tu mens une fois, et ben, tu mens deux fois. Et en fait, le mensonge, c'est comme ce qu'on appelle un effet boule de neige. Tu commences par un petit mensonge, mais après, ben, tu vas refaire un mensonge pour sauver ce premier mensonge. Et ensuite, tu vas mentir. Et d'une petite bêtise, eh ben, tu es parti dans un gros mensonge. Et ça, ça va te mener à quoi? Ça va te mener à l'enfer. Et l'homme, il ne cesse de mentir. Ahmed, c'est normal de s'installer comme ça? Ça ne t'intéresse pas ce que l'on dit? Bon, on dirait pas. T'aimes pas qu'on parle du mensonge? Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Tu sais pas? Bah écoute, ça va te faire du bien. D'accord? On a besoin d'un rappel. Moi, ça me fait du bien quand je parle du mensonge. Parce qu'on est tous concernés. Là, je parle pas de lui ou de elle en particulier. D'accord? C'est on est tous concernés. Parce qu'ici, on est tous amenés à ce que Shaitan, il nous insuffle de mentir. Donc là, on est tous concernés, on ne fait pas exprès de ne pas écouter. D'accord? On écoute, c'est important. Parce qu'on parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, la personne, elle ne cesse de mentir. Il ment, jusqu'à ce qu'auprès d'Allah, il est considéré comme quoi? Comme un menteur.
Il est considéré auprès d'Allah Azza wa Jal comme un menteur. Et imagine qu'Allah, il te considère comme un menteur ou comme une menteuse. Lorsque tu vas mourir, eh ben tu seras avec les menteurs. Est-ce que tu as envie d'être ressuscité avec ceux qui disent la vérité ou avec ceux qui disent le mensonge ? La vérité. Et surtout, si Allah a considéré que tu étais menteur, tu sais ce qui va se passer ? C'est que les gens ils vont savoir que tu es un menteur. Et quelqu'un qui ment tout le temps, mais est-ce que tu as envie d'être son ami ? Est-ce que tu as envie de lui prêter des choses ? Non. Est-ce que tu le crois quand il va te raconter quelque chose ? Non. Non, même s'il va dire la vérité, tu vas même plus le croire. Est-ce que tu vas pouvoir lui faire confiance ? Non. Est-ce que tu vas l'aimer ? Non. Non. D'accord, les enfants ? Donc ça, c'est important. Retenez cette chose, c'est important. C'est très, très important. D'accord ? Le musulman ne ment jamais. Répétez. Le musulman ne ment jamais. Est-ce que maintenant... Alors, bien sûr, les enfants, écoutez... Parce que là, quand on parle de ça, quelqu'un, il peut se dire, « Ah, j'ai déjà menti. Est-ce que je vais aller en enfer ?» C'est vrai ou pas ? On se dit ça. Oui. C'est pour ça, des fois, on n'est pas bien. Ben, vous savez quoi ? Je vais vous donner une chose magnifique. Allah, il pardonne tous les péchés. Si maintenant, tu lui demandes à Allah de pardonner tes mensonges, ton mensonge, il n'existe plus. C'est beau ou c'est pas beau ? C'est beau. C'est beau ou c'est pas beau ? C'est beau. Donc, on va tous lever nos mains. On va demander à Allah de nous pardonner tous nos mensonges. Et là, c'est terminé. C'est comme si que nos mensonges n'existaient plus. C'est comme si c'est fini. Allah, il va nous effacer. Parce qu'à chaque fois qu'on demande sincèrement de notre cœur, on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos péchés n'existent plus. D'accord ? On lève nos mains. Et on dit, Rabbi ghfirli wa tub alayhi. إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأولة وآخرة وعلانية وسرة. Et retenez une parole très facile. À chaque fois que tu fais un mensonge ou un péché et tu regrettes et tu veux qu'Allah il te pardonne, tu dis Astaghfirullah. 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 Wa atubu ilayhi. D'accord les enfants? Donc là maintenant vous avez demandé à Allah Azza wa Jal de vous pardonner, on doit être certain qu'Allah va nous pardonner. Donc je vais voir des sourires partout. Ça c'est beau, c'est beau quand vous souriez comme ça. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Naam Mohamed. Vous avez dit un exemple de bêtise. Ben moi je préfère que je dise la vérité et que je sois puni par mes parents et que Allah soit content de moi, que je dise le mensonge et que mes parents ne savent pas et que Allah ne soit pas content de moi. C'est tellement beau ce que tu dis. Exactement. Vaut mieux dire la vérité et tes parents, ils te grondent, ils te punissent et ça y est, c'est passé. Et des fois, quand tu dis la vérité, qu'est-ce qu'ils te disent ? Bon, t'as dit la vérité, je te punis même pas. Ouais. Mais même s'ils vont te punir, c'est pas grave. Vaut mieux que tes parents te punissent que c'est Allah qui te punit. C'est vrai ou pas ? Il va punir 20 fois plus tôt. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est shadid al-iqab. Il est dur en châtiment. Alors maintenant, on termine cette leçon. On termine cette leçon importante. C'est important ou pas ? Oui. On termine cette leçon importante sur le pire des mensonges. Qui peut me dire c'est quoi ? Parce que les mensonges, ils ne sont pas tous pareils. Ils sont tous graves. Mais il y a des mensonges qui sont encore plus graves que d'autres. Ibrahim. J'ai pas entendu. Alors exactement, le fait de ne pas croire en Allah et surtout, c'est de mentir au sujet d'Allah. C'est de mentir au sujet d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que des gens, ils mentent au sujet d'Allah et ça, c'est très grave. C'est pour cela que je ne peux pas parler de religion, je ne peux pas parler d'Allah si je ne connais pas. Si quelqu'un te pose une question, faut pas que tu inventes, tu racontes des histoires. Ah si, Allah, il a dit ça dans le Coran alors que c'est pas vrai. Ah si, non.
D'accord. La même chose, parmi les pires mensonges, c'est de mentir au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Donc, la même chose, je ne peux pas dire, attention, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela alors que ce n'est pas vrai. Ensuite, les autres mensonges. Je vais vous donner un exemple de mensonge. Vous avez vu quand il y a un enfant qui est là? Et tu viens, tu prends ta main comme ça. Et tu dis, eh, viens, tu dis, Fatima, Mohammed, viens me faire un bisou. Le bébé il est là, il n'a pas envie. Ou là, ton petit frère, ta petite soeur, il n'a pas envie. Il veut jouer avec ses jouets, avec ses Playmobil. Ou... Et tu lui dis, viens, j'ai un bonbon dans ma main. Alors que t'as quoi dans ta main? Rien. T'as rien. Viens, j'ai un bonbon dans ma main. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir directement. Toi, tu fais ça, il n'y a rien. Et bien ça, ça fait partie des grands mensonges. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que, premièrement, tu as menti. Mais surtout, tu as enseigné à l'enfant le mensonge. Ça veut dire qu'après, à chaque fois qu'il va mentir, tu prendras un péché aussi. Parce que c'est toi qui lui as appris à mentir. Et ça, c'est très grave. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui dit à son enfant, viens, je vais te donner quelque chose, et il ne lui donne rien, ça sera considéré comme un mensonge. Ça sera considéré comme un mensonge. Comme un mensonge. Et c'est un mensonge. Également, et c'est un mensonge, mais c'est-à-dire que dans ses actions, ce sera compté comme un mensonge. Un autre type de mensonge qui peut nous arriver tout le temps, ben c'est mentir pour faire rire les autres. Ah, c'est pas bien. Et dans quelques mois, qu'est-ce qui se passe le 1er avril? Ah. Asma, il y a le poisson d'avril. Est-ce que vous savez, nous les musulmans, comment on appelle le poisson d'avril? Non. On l'appelle le mensonge d'avril. Parce qu'en fait, le poisson d'avril, c'est quoi? Ça t'habitue à faire quoi? Mentir. À faire des blagues, mais des blagues en mentant. Et est-ce qu'on a le droit de mentir même pour faire rire les autres? Non. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, malheur à celui qui invente une histoire pour faire rire les gens. Malheur à lui. Wa'ilun la. Et le wa'il, c'est aussi un fleuve, un lac dans l'enfer. Donc des fois, tu vas venir et tu vas rentrer. Un exemple, je vous donne un exemple qui peut nous arriver. Tu es à table avec tes parents et bon, tu ne sais pas trop quoi dire. Et ta mère ou ton père ou ton oncle ou ta tante, ils te disent, bah, t'as fait quoi aujourd'hui à l'école? Et tu inventes une histoire, juste pour faire rire tout le monde. Ah ben, j'ai fait ça. Alors, c'est même pas vrai. Tu t'as fait rire tout le monde, mais en réalité, tu as menti. En réalité, tu as menti. Également, parmi les mensonges à ne jamais faire, c'est de mentir sur un rêve. Tu dis un exemple, ah ouais, tu te réveilles le matin, la même chose. Tu veux jouer ton intéressant et tu vas dire, ah ben moi j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela, alors que ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoutez bien, celui qui prétend avoir fait un rêve, alors que c'est pas vrai. Celui qui dit j'ai vu ça en rêve alors que c'est pas vrai, il restera en enfer. Aussi longtemps qu'il arrivera à prendre ses deux cheveux et les faire un nœud, et il n'arrivera pas. Écoutez, c'est très grave de mentir sur un rêve. Ça fait partie des plus graves mensonges. Qui me donne aussi un exemple de mensonge qu'on peut faire facilement. Oui. Dire Wallah alors que c'est pas vrai. Ah oui, alors là c'est encore plus grave, c'est de jurer par Allah alors que c'est pas vrai. Très bien. Et il y a même des enfants ou des jeunes souvent qui jurent sur la vie de leur mère ou la vie de leur père ou la vie de leur chien ou la vie de leur chat. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non, c'est très grave. Et c'est encore plus grave, écoutez bien. De jurer sur Allah et mentir, est-ce qu'on peut jurer sur Allah et mentir? Non. Est-ce qu'on peut mentir déjà? Non. Mais est-ce qu'on peut jurer sur Allah et mentir? Non. C'est très grave. Mais imagine que quelqu'un qui jure par autre qu'Allah, et ben c'est encore plus grave que quelqu'un qui jure sur Allah et qui ment. Alors un autre exemple de mensonge avant de terminer le cours d'aujourd'hui. Asma.
Exactement. Donc là aussi, c'est un très grave mensonge. Un exemple, on va prendre l'exemple d'un boucher. Il vend de la viande. Et il va, ou un restaurateur, il a un restaurant, et il va dire aux gens que la viande, elle est halal. Et en fait, elle n'est pas halal. Ça, c'est un grave mensonge, parce que tu as trahi les gens. Et c'est lui qui prendra le péché. D'accord ? Oui, Yanni ? Mais si il dit ça, Allah, il va rendre la viande halal. Non, la viande, elle sera toujours pas halal. Mais toi, si tu l'as mangée en sachant, en pensant qu'elle était halal, toi, tu n'auras pas de péché. Mais c'est lui qui aura le péché. Si tu as mangé quelque chose, d'accord, on t'a dit si tu peux le manger, c'est halal, etc. D'accord. Allez, encore un ou deux exemples que les enfants ils peuvent faire, ou même les adultes, des mensonges qui sont fréquents, qu'on peut faire à l'école ou à la maison, pour les éviter. C'est important de connaître les mauvaises choses pour ne pas les faire. Ismaël ? Alors, bien sûr, le fait d'être jaloux, ça va te pousser à mentir aussi. Alors, qui a des exemples de mensonges? Moi, je vais vous donner un dernier exemple. Au football, pour ceux qui jouent au football, ou au sport, quand vous êtes au sport dans la récréation, ou quand vous faites une course, j'ai gagné, alors que tu n'as pas gagné. Ou, un exemple pour ceux qui jouent au football, le football, qui joue au football ici? Le football, c'est un... Regardez, il y en a quand même pas mal. Le football, c'est un... Alors, il y a beaucoup de sports, même dans la récréation, hein, je ne parle pas en club. Hein. Dans la récréation, des fois, quand il y a un match de foot qui joue, qui aime bien jouer, il n'y a pas de mal. Hein. Il n'y a pas de mal à jouer comme ça pour s'amuser. Il n'y a pas de mal. Par contre, le mal, c'est quoi? Un exemple, la balle, elle va sortir en touche. Tu sais que c'est toi qui l'as sortie. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah non, c'est lui, la balle, elle est à moi. Et ça, même des adultes. Même des adultes, ils le font. Ou un exemple, tu as fait une faute et tu dis, ah non, moi j'ai rien fait. Regardez un exemple, un joueur de foot, quand il fait une faute, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il lève ses mains comme s'il n'avait rien fait, alors qu'il a fait. Ça, c'est du mensonge. C'est pour cela que le musulman, il peut faire du sport. Il n'y a pas de problème. On peut faire du sport, du football, du basketball, du handball, du volley, du rugby, du... Peu importe, mais on fait attention à ne pas mentir. D'accord, les enfants? Qui peut me rappeler comment on demande à Allah de nous pardonner nos péchés? Si un exemple, j'ai menti, comment je peux demander à Allah de me pardonner mes péchés? Oui, Ahmed? Exactement, exactement. On répète comme Ahmed il a dit, Astaghfirullah wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay. Astaghfirullah wa atubu ilay. Donc les enfants, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Il nous reste un petit peu de temps. Je vous propose d'aller dans la salle et de faire un petit quiz. Oui. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Merci. C'est pas possible.